Faindrolles, en Haute-Savoie. C'est ici, dans cette PME, qu'a été conçu un ski nouvelle génération, le Dupra D2. Sur les écrans, c'est ainsi que ce ski est décliné. Mais à Faindrolles, le créateur de Dupra nous présente toute sa gamme. Voilà, c'est ici qu'on entrepose les différents modèles de ski que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est une gamme avec un modèle en deux tailles, les modèles 181 où on a le très beau Quest avec des effets brillants mat, avec des petites pastilles métalliques. On a un modèle de test, le modèle de décembre, on l'a appelé de test. On a ici le Black Curve en grande taille 181 et 171. On a ici le Happy Day. Je vais vous montrer la petite feinte qu'on s'est amusé à faire. Ça commence comme ça, puisque ce ski est asymétrique et on a joué un peu aussi avec le design asymétrique. Every Day, côté piste. Lisa, Happy Day. On joue avec les mots, mais aussi les teintes. À peine la journée commence qu'il faut maintenant aller sur le terrain pour expliquer le concept de ces skis. Ici, c'est un journaliste parisien qu'il faut convaincre. On a des engins, on a un concept avec des engins qui sont très larges, grosses surfaces. Pour quand on est dans la poudreuse, la neige, la poudreuse, c'est de l'eau à un autre état. On a besoin de surfaces portantes, de grandes flottaisons, de grandes flottabilités. L'explication va durer ainsi un bon quart d'heure. Après la théorie, viendra évidemment la pratique. Voilà, alors on va essayer les conseils de Serge. Bien écarté, prendre un peu de vitesse. Au début, on a l'impression d'être un peu trop écarté. Mais... Au bout de trois pistes, voici donc le verdict. Ça y est, là on le sent mieux. Ouais. Mais la difficulté effectivement, c'est d'arriver à ne pas déraper. Et moi j'ai trouvé un peu la solution en fait en me mettant un peu en chausse comme ça. Ouais. Pour prendre de la vitesse. Et là pour le coup, on est plus sur le carving quoi. Mais très bien, alors cette première piste. Mais ça marche, hein. Ça marche bien quand même. Hein. T'as fait un petit peu des petits bords de piste comme ça. Oui, on est sorti un peu, mais on a surtout essayé de moi j'ai besoin de prendre de la vitesse pour arriver à... Bref, un essai convaincant, c'est comme ça que le boss de Dupra arrive sur le terrain à conquérir le marché. Mais pour le grand public, ces skis ne seront disponibles que sur Internet. En bas, à Faindrolles, une partie de l'équipe peaufine le site.